Et là, ce qu'il y a de particulier, c'est que les Canadiens vont gagner le trophée Clarence Campbell pour la première fois de leur histoire, parce que généralement, les Canadiens étaient toujours du côté S. Ouais. Mais avec cette saison inhabituelle et ce calendrier inhabituel et les divisions inhabituelles, les Canadiens qui gagnent le trophée Clarence Campbell pour la première fois de leur histoire. Là, la question est de savoir, est-ce qu'on va toucher au trophée ou pas? Oui. Écoute, c'est incroyable le beau moment. Et on va s'en remettre à l'annonceur maison, M. Michel Lacroix. Vivons ce moment ensemble. Mesdames, Messieurs, accueillons maintenant le commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey, Bill Daly, qui présentera le trophée Clarence Campbell aux finalistes de la Coupe Stanley. Ladies and gentlemen, NHL Deputy Commissioner Bill Daly will now present the Clarence Campbell Bowl to the Stanley Cup finalist, les Canadiens de Montréal, the Montreal Canadiens. Pour accepter le trophée, to accept the trophy, le capitaine des Canadiens, Shea Weber, de même que Paul Byron et Brandon Gallagher. Ben, cette image, elle est spéciale, elle est unique, et Marc Bergevin veut que demander à ce que tout le monde soit dans la photo d'équipe. Évidemment, j'ai une pensée pour Dominique Ducharme, qui est un acteur tellement important dans ce scénario hollywoodien des Canadiens de Montréal. Ici, on scande le « olé, olé, olé ». À l'extérieur, c'est la fête. Et j'ai beaucoup de difficultés à réaliser ce qu'on vit. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. On a vécu tellement d'émotions dans les 28 dernières années, des hauts, des bas, des déceptions. On anticipait une présence en finale. On a vécu certaines reconstructions, des éliminations rapides en série. On a été exclu des séries éliminatoires aussi. Mais de voir le Canadien en finale, allez, célébrez et faites-le, s'il vous plaît, dans le respect. Oui, tout à fait. Et c'est incroyable ce qu'on vit en ce moment. Et la bonne nouvelle, tu as parlé de Dominique Ducharme, c'est qu'on va le revoir dans cette finale de la Coupe Stanley, lui derrière le banc des Canadiens de Montréal. Alors maintenant, est-ce que le Canadien va affronter le Lightning de Tampa Bay, les champions en titre, ou les Islanders de New York, une équipe coriace? Écoute, en ce moment, c'est le Canadien contre le reste de la Ligue nationale. La façon dont ils jouent, leur éthique de travail, c'est une équipe en pleine confiance. Et je suis convaincu que le prochain défi va être grand, mais comme tous ceux qu'ils viennent de traverser. Ça, c'est important de souligner la famille également, Carey Price qui regarde sa famille, ses enfants. Écoute, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits tout au long de la saison. Faut pas l'oublier. Saison qui est pas ordinaire et qui est loin d'être terminée.